back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Plan Quotidien. Écoutons ensemble le contenu de cette semaine. House of God in another service. Seigneur, nous therefore, Christ is just as rejected today as he was back there. There's no room tonight in our good churches, our big churches, our fine churches. There's no room in our religious circles today for a Holy Ghost meeting. Ainsi, Christ est tout aussi rejeté aujourd'hui qu'il l'était en ce temps-là. Il n'y a pas de place ce soir dans nos bonnes églises, nos grandes églises, nos belles églises. Il n'y a pas de place dans nos cercles religieux aujourd'hui pour une réunion du Saint-Esprit. They don't want it. It belittles them in the sight of the classes of the country. It belittles them to think that they humble themselves to come down to an altar to cry and to tarry there until they're filled with power from on high. Amen. To rise up from there with newness of life. Ils n'en veulent pas. Cela les déprécie aux yeux des bourgeois du pays. Cela les déprécie de penser qu'ils devront s'humilier pour s'avancer à un autel, crier et patienter là, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut et qu'ils se relèvent avec une vie nouvelle. To let women let their hair grow out and act like women ought to. To make men throw away their cigarettes and to quit their drinking and treat their families right. Que les femmes laissent pousser leurs cheveux et se comportent comme des femmes le devraient, et que les hommes jettent leurs cigarettes, cessent de boire et traitent bien leur famille. It's too much for them. So they hold on to the creed of their church instead of receiving God's gift. God's Christmas gift. Ça, c'est trop pour eux. Alors, ils s'accrochent à leur credo, au credo de leur église, plutôt que de recevoir le cadeau de Dieu, le cadeau de Noël de Dieu. The devil cannot create nothing. The devil only perverts. He can't create, he perverts. Le diable ne peut rien créer. Le diable ne fait que pervertir. Il ne peut pas créer. Il pervertit. And first he has to have a way. Ask the doctor. If your body was perfect and like God made it in the beginning, it would be impossible to get sick. Il doit d'abord disposer d'un moyen. Demandez au médecin. Si votre corps était parfait et qu'il était comme Dieu l'avait fait au commencement, il vous serait impossible de tomber malade. But the devil has to find a weakness, somewhere to pervert. That's the same thing with your soul. Reason you don't believe in divine healing? The devil found a weak spot in you, and he perverted it. Mais pour pouvoir pervertir, le diable doit trouver une faiblesse quelque part. C'est pareil pour votre âme. La raison pour laquelle vous ne croyez pas à la guérison divine, c'est que le diable a trouvé un point faible en vous et il l'a perverti. God is the healer, and we're offsprings of God, sons and daughters of God, believing like our father believed. Dieu est le guérisseur, et nous descendons de Dieu, nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous y croyons comme notre Père y croit. When God made a man, he gave him... He let the devil took his head. God chose his heart. The devil, through his imagination, makes him imagine anything. Gives him intellectual conceptions of the Scripture. Quand Dieu a fait l'homme, il lui a donné, il a permis. Le diable a pris sa tête. Dieu, lui, a choisi son cœur. Le diable, au moyen de son imagination, lui fait imaginer toutes sortes de choses. Il lui donne des concepts intellectuels de l'Écriture. But God gets in his heart and leads him by the Spirit. Makes him believe things that his intellectual don't know them about. Amen. That makes me feel a little religious when I think of that, see? Mais Dieu entre dans son cœur et le conduit par l'Esprit. Il lui fait croire des choses dont son intellect ignore tout. Amen. Quand je pense à cela, je me sens un peu religieux, voyez? When God gets a hold of a man, he comes into his heart. That's God's control tower. Quand Dieu s'empare d'un homme, il entre dans son cœur. C'est la tour de contrôle de Dieu. And the reason people drink, smoke, gamble, lie, steal, and carry on the way they do, they're trying to satisfy that longing in their heart. Et la raison pour laquelle les gens boivent,
fument, jouent à des jeux d'argent, mentent, volent et se conduisent n'importe comment, c'est qu'ils cherchent à satisfaire ce désir profond qui se trouve dans leur cœur. God made them that way so he could come in there and satisfy every longing that you have. But how dare anybody to try to hush that precious thing with the things of the world? Dieu les a fait ainsi afin qu'ils puissent y entrer et satisfaire chaque désir profond que vous avez. Mais comment quelqu'un peut-il oser chercher à faire taire cette chose précieuse avec les choses du monde? Now when he was here on earth, he said, I came from God, and I go back to God. Now, when he led the children of Israel, he was a pillar of fire, and he was made flesh, then he returned back to that same pillar of fire. En effet, quand il était ici sur terre, il a dit, « Je suis venu de Dieu, et je retourne à Dieu. » Or, quand il conduisait les enfants d'Israël, il était la colonne de feu. Et il a été fait chair, puis il est retourné à cette même colonne de feu. And when he met Paul on the road to Damascus, he was that pillar of fire, that light. See? A great light. And Paul said, who is it that I persecute? He said, I'm Jesus who you persecute, the light. Et quand il a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il était cette colonne de feu, cette lumière. Voyez? Une grande lumière. Et Paul a dit, « Qui est celui que je persécute? » Il a dit, « Je suis Jésus que tu persécutes, la lumière. » Oh, isn't he wonderful? Amen. And here he is tonight, right here with us. Amen. Had his picture taken right there, the same thing. Amen. Pillar of fire, light, just the same as he was, same yesterday, today, and forever. Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Et le voici, ce soir. Ici même avec nous, il s'est fait photographier juste là. La même chose, voyez, la colonne de feu, la lumière, exactement le même qu'il était. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus knew before these apostles could ever go out and be a correct witness that they had to experience what they were witnessing about. Jésus savait qu'avant que les apôtres puissent sortir et être des témoins convenables, ils devaient faire l'expérience de ce qu'ils témoignaient. Wouldn't that be nice today if every seminary did the same thing? Yeah. If every Christian did the same thing? Ce serait agréable aujourd'hui, n'est-ce pas, si chaque séminaire faisait la même chose, si chaque chrétien faisait la même chose. Would just come to church and say, now, I'm accepting Jesus as my personal Savior. I'm going to stay right here till I get the baptism of the Holy Ghost, and then I'm going out to be a witness. Amen. Things would be different, don't you think so? S'il venait à l'église et disait simplement, maintenant, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je ne bougerai pas de là jusqu'à ce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, je repartirai et je serai alors un témoin. Voyez, les choses seraient différentes. N'êtes-vous pas de cet avis? We wouldn't have that loose, scattered testimonies. People testify and say they're a Christian and go out and live other lives, and the unbeliever comes in, sees that, he says, well, look at there. Is that the way? And the devil will always point them out too. You can just depend on that. Nous n'aurions pas ces témoignages relâchés et décousus. Les gens témoignent et ils disent qu'ils sont chrétiens, et ils repartent mener des vies contraires. L'incroyant entre et voit cela. Il dit, « Eh bien, regardez-moi ça. Est-ce comme ça qu'il... » Et le diable aussi, il les pointera toujours du doigt. Vous pouvez en être sûr. He's a businessman. Don't underestimate his ability and his business realm because he knows what it's all about. C'est un homme d'affaires. Ne sous-estimez pas ses compétences et ses secteurs d'affaires parce qu'il en connaît un rayon. No matter how much this, that, and the other, you've got to have something strike you, brother, vital, that settles it forever. That's faith. Peu importe combien de ceci, cela, et quoi encore, il faut absolument que quelque chose s'empare de vous, frère. C'est vital. C'est ce qui règle la question pour toujours. C'est la foi. Jesus is the high priest of your confession. Whatever you confess that he's doing, he'll do. Jésus est le souverain sacrificateur de votre confession. Tout ce que vous confessez qu'il fait, c'est ce qu'il fera. You, a lot of people look at symptoms. You say, well, Brother Branham, my hand's no straighter. It'll never be as long as you look at it. We don't look to that, we look to God's promise.
Beaucoup de gens regardent aux symptômes. Vous dites, « Eh bien, frère Branham, ma main est toujours aussi déformée. Tant que vous la regarderez, il n'y aura jamais de changement. Nous ne regardons pas cela. Nous regardons la promesse de Dieu. » Talk about symptoms, look at Jonah down the belly of the whale. If anybody could have had symptoms, he had them. À propos de symptômes, regardez Jonas dans le ventre de la baleine. Si quelqu'un en avait des symptômes, c'est bien lui. Backslidden, hand tied behind him, out on the sea, a storm come up, pitched him out, whale swallowed him, went to the bottom of the sea. Rétrograde, les mains liées derrière le dos, en pleine mer, une tempête qui s'élève, on le jette par-dessus bord, la baleine le gobe, descend au fond de la mer. Any fish, when he feeds, he goes down, rests his fins on the bottom of the sea. And there he was down there with a belly full of backslidden preacher, laying down there on the banks, down there under the sea, a storm on the sea. Tout poisson, après qu'il a mangé, descend se reposer les nageoires au fond de la mer. Et la voilà, son ventre repu de ce prédicateur rétrograde, elle est étendue là, au bord de... là, au fond de la mer, et la tempête fait rage sur la mer. Backslid, what a condition he was. He looked this way, it was whale's belly. He looked that way, it was whale's belly. Everywhere he looked, it was whale's belly. Rétrograde, et dans quelle situation il était? Il regardait de ce côté-ci, le ventre de la baleine. Il regardait de ce côté-là, le ventre de la baleine. Partout où il regardait, le ventre de la baleine. You know what he said? He said, I'm not looking at that whale's belly. He said, they're lying vanities. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, « Je ne regarde pas le ventre de cette baleine. » Il a dit, « Ce sont des vanités mensongères. » He said, « Lord, once more, I'll look to your holy temple. » Hallelujah! You didn't see whales, belly, you seen God's temple. Il a dit, « Seigneur, je verrai encore ton Saint-Temple. » Alléluia! Il ne voyait pas le ventre de la baleine, il voyait le temple de Dieu. Well, when death strikes a little flower, you notice it bows its little head, just as reverent. The petals drop off, and the leaves drop off, and a little black seed falls out. Eh bien, quand la mort frappe une petite fleur, remarquez, elle courbe sa petite tête avec beaucoup de révérence. Les pétales tombent, les feuilles tombent, et une petite semence noire tombe. Then they have a funeral procession. The rains come and cry down in the fall of the year and bear the little fella. Alors, il y a un cortège funèbre. Les pluies viennent, pleurent en automne et enterrent la petite fleur. And then, the first thing you know, the freeze comes. Maybe the little seed is laying about that deep under the ground where the falls rains buried it. Et alors, soudain vient le gel. Peut-être la petite semence est-elle à peu près à cette profondeur-là, sous la terre, là où les pluies d'automne l'ont enterrée. And then, after a while, the real cold spell comes and it freezes. Then the little seed freezes, the pulp burst runs out of the seed burst open, the pulp runs out. Et au bout d'un moment, la période de grand froid arrive et il y a le gel. Alors cette petite semence gèle, la pulpe éclate, elle sort de la semence. La semence s'ouvre et la pulpe sort. And then the winter continues on through the blizzards and the blizzard after blizzard. Et l'hiver se poursuit avec les blizzards, blizzard après blizzard. Then after all along about February, last of February, first of March, the stalk's gone, the bulb's gone, the seed's gone, the pulp's gone, the petal's gone, the flower's gone, everything there is gone. Puis, au bout d'un moment, vers février, fin février, début mars, il n'y a plus de tiges, plus de bulbes, plus de semences, plus de pulpes, plus de pétales, plus de fleurs. Il n'y a plus rien. Is that the end of that flower? No, sir. Just let that sun begin to warm that earth again, and that flower will live again. Est-ce la fin de cette fleur? Non, monsieur. Que le soleil se mette à réchauffer de nouveau la terre, et cette fleur revivra. Why? There's a germ of life in that flower that no man can find or no winter can freeze out. God has made it in his own way, and that little germ of life is preserved in that ground, and that flower will live again. Pourquoi? Il y a un germe de vie dans cette fleur qu'aucun homme ne peut trouver et qu'aucun hiver ne peut geler. Dieu l'a fait à sa manière. Ce petit germe de vie est préservé dans la terre et cette fleur revivra. Well, if God made a way for a flower to live again, what about a man who's made in his image? There's a way somewhere for that to live again. Eh bien, si Dieu a fourni le moyen pour qu'une fleur revive, qu'en est-il d'un homme qui a été fait à son image? Il y a quelque part, là, un moyen de revivre.
Another service. Senor. This was a pleasure for us to meet you once again connected on your broadcast of Daily Break. Goodbye and see you next for another edition. God bless you. First love me.